ira ou n'ira pas? À 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron entretient toujours le flou sur ses intentions. Et même si sa candidature à un second mandat ne semble pas faire de doute, le président de la République n'a pas, encore, mis fin au suspens. À moins que Brigitte Macron-Sey ne soit chargée à sa place, invitée du JT de 13h de TF1 ce jeudi 12 janvier pour le lancement de l'opération Pièce Jaune, la première dame a lâché une petite phrase troublante sur l'avenir du chef de l'État. J'ai entendu qu'il en avait envie, mais qu'il n'avait pas pris sa décision, a d'abord lancé Brigitte Macron, qui affirme être, elle aussi, dans l'attente d'une annonce. On parle énormément tous les deux, on parle de tout. Et d'ajouter, au sujet des rumeurs sur leur conversation personnelle, il y a un homme en lande dans l'Élysée, donc quand on vous dit des phrases que nous nous disons mutuellement, en règle générale, même s'il y a des guillemets, ce ne sont pas les bonnes. Et si en coulisses certains pensent savoir qu'elle pèse fortement sur les décisions d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron assure le contraire. En ce qui concerne la politique en tout cas. Dans le cadre de la présidentielle, d'aucune manière je n'essaie de l'influencer, de convaincre, de persuader, jamais. Parce que si est-il l'histoire entre les Français, un homme ou une femme, et je n'aille absolument pas à intervenir, a ajouté la première dame, pour clarifier son rôle auprès de son mari. Je me l'interdis. Emmanuel Macron, il n'y a pas de faux suspense si son envie pour la suite ne rentre absolument pas en ligne de compte. Brigitte Macron a été claire, dans ma tête, si est-il 5 ans, je suis programmé pour 5 ans. Après je verrai. Une façon pour la première dame de faire comprendre qu'elle ne souhaite pas que son mari se lance à nouveau dans une campagne présidentielle? Peut-être. Quand vous êtes marié à un homme comme Emmanuel Macron, je peux vous dire que chaque jour a son lot de surprises, a-t-elle ensuite plaisanté, faisant comprendre qu'elle n'aurait aucun poids dans la décision que le chef de l'État s'apprête à prendre. Dans les colonnes du Parisien, Emmanuel Macron assurait qu'il n'y avait pas de faux suspens et qu'il avait envie d'être candidat, dès qu'il y aura les conditions sanitaires qui le permettent et que j'aurai clarifié ce sujet, en moi-même et par rapport à l'équation politique, je dirai ce qu'il en est avec la même liberté car je ne veux rien m'interdire. Loading widget.